Voilà. Alors, nous allons parler pendant cette dernière session de la journée, nous allons parler de l'Afrique. Et pour ce faire, deux intervenants partenaires, Tidiane Gadio, qui est à ma gauche immédiate, est une grande personnalité politique et académique d'ailleurs sénégalaise. Tidiane a été le ministre des Affaires étrangères du président Ouad pendant 7-8 ans, hein, je crois. Presque 10 ans. Bon. Et d'ailleurs, il a l'air maintenant plus jeune qu'à l'époque où je l'ai connu au début, parce qu'il y a le fameux principe de Andreotti, qui est le pouvoir n'use que ceux qui ne l'ont pas. Et donc une très grande expérience internationale, et il dirige aujourd'hui un think tank, un centre qui est centré sur les problèmes de sécurité. Donc je crois que nous allons parler avec Tidiane surtout des questions de sécurité, mais évidemment dans une acception assez large. Et Nathalie de la Palme, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est une très grande connaisseuse experte de l'Afrique, et qui, depuis je ne sais plus combien d'années, Nathalie est la directrice scientifique, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de la Mo Ibrahim Foundation. Et nous connaissons bien la WPC, Mo Ibrahim, qui est intervenue déjà plusieurs fois. Et Nathalie, notamment, est responsable des publications de la Mo Ibrahim Foundation, et notamment de l'index de gouvernance qui permet de comparer année après année les progrès ou éventuellement les reculs en matière de gouvernance à l'intérieur de l'Afrique, donc à l'intérieur au sein des pays africains. Donc je vais leur poser à chacun, je vais leur proposer à chacun d'avoir d'exposer un peu en quelques minutes leur message essentiel dans leur domaine respectif, sachant que, bien évidemment, chacune de ces deux personnalités a des choses à dire sur les sujets de l'autre, si je puis dire. Alors, on va commencer par Tidiane, peut-être, et donc les questions de sécurité en Afrique. Voilà, donc, Thierry, merci beaucoup. Merci pour tout le travail que vous faites pour permettre ce genre de réflexion au plan international, et merci d'inclure l'Afrique, parce que ce n'est pas évident. Nous avons été dans beaucoup de rencontres internationales où on ne prononce même pas le mot Afrique, alors que l'Afrique occupe une place importante dans le combat aujourd'hui pour la sécurité des populations. Nous sommes en passe de devenir, c'est un peu notre théorie au niveau de l'Institut panafricain de stratégie, l'Afrique est progressivement en train de devenir l'épicentre du terrorisme mondial. Et on ne s'en rend pas compte, apparemment. Il y a 2 ans, le journal Le Monde avait publié une étude, en tout cas des chiffres importants, où sur les 34 000 victimes du terrorisme, un grand nombre était en Afrique, et Boko Haram était beaucoup plus meurtrier, beaucoup plus assassin en direction des populations du bassin du lac Tchad que Daesh, ici, dans cette partie du monde. L'Afrique a un carré, ce que nous appelons un carré infernal, avec les Chebab en Somalie, les terroristes en Libye, le Sahel, le Mali et le Sahel, et le lac Tchad, le bassin du lac Tchad, Boko Haram. Près de 22 pays africains sont aujourd'hui affectés directement par les questions du terrorisme. Il n'y a que l'Afrique australe qui est pour l'instant épargnée, et nous prions que cela continue. En plus du terrorisme, l'Afrique fait face à 2 autres graves épidémies ou crises graves en tout cas. C'est l'économie criminelle, marquée surtout par les narcotrafiquants qui ont envahi le continent africain, envahi des régions entières, et nous réduisons malheureusement ce débat à un pays comme la Guinée-Bissau qu'on appelle un narco-État. C'est une grande simplification pour ne pas avoir à faire face aux problèmes dans le fond. Nous pensons que l'administration de beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, les douanes, les forces de défense et de sécurité,
sont infiltrés par les narcotrafiquants qui sont bien installés en Afrique de l'Ouest et qui ont changé la nature de notre économie. Vous connaissez aussi la question des trafics, du trafic des armes, du trafic des êtres humains. Et vous savez aussi, l'autre grand problème que nous avons, c'est la crise de la migration. Les forces vives africaines sont en train d'être détruites par cette crise de la migration. Quelqu'un disait qu'on saura un jour que probablement il y a eu plus d'Africains, de jeunes Africains qui ont péri dans le désert que de jeunes Africains qui ont été noyés dans la Méditerranée. Ça fait froid au dos que de penser cela, mais quelqu'un le pense et l'a théorisé. Au total, l'Afrique aujourd'hui a plusieurs zones de conflit et ce que nous appelons nous des crises graves comme la crise du terrorisme, la crise de l'économie criminelle et la crise de la migration. Ces zones de conflit, la Somalie, le Sud-Soudan, l'Érythrée, la Libye, le Mali et le Sahel, Nigeria, Boko Haram et le bassin du lac Tchad. Et nous avons ce que nous appelons le bloc de la crise durable de la gouvernance, RDC, Burundi, Guinée-Bissau, RCA. Par-delà ces constats, le véritable problème qu'il faut peut-être discuter ou analyser, c'est que l'Afrique n'a pas de réponse. L'Afrique n'a pas de réponse endogène à la menace, à la crise sécuritaire. C'est vrai que même les États-Unis, puissance mondiale numéro un, ont créé une coalition de 60 pays pour faire face au terrorisme. Mais l'Afrique, en tant que telle, n'a pas pris le leadership pour sa propre défense. Je pense qu'il est temps, du point de vue du changement de paradigme, que les amis de l'Afrique et les Africains eux-mêmes acceptent de parler un autre langage. Nous rencontrer ici et dire que les choses s'améliorent en Afrique, taux de croissance de 10% pour certains pays, l'Afrique bouge, l'économie bouge, etc. Et ne pas pointer du doigt là où on a de véritables problèmes, ça n'aide pas l'Afrique. Être ami de l'Afrique aujourd'hui, c'est être capable de dire la vérité. Un ami peut vous critiquer, un ami n'a pas le droit de vous attaquer. Et si une critique ressemble à une attaque, ça veut dire que ça a été très mal formulé. Mais les amis de l'Afrique doivent pointer du doigt le problème de fond de l'Afrique qui tourne essentiellement autour du leadership, de la gouvernance, de l'absence de vision. Je dis, au niveau de notre institut, c'est ça notre théorie, l'Afrique vit un drame essentiel qui est l'absence de stratégie. L'Afrique n'a pas de stratégie. L'Afrique ne sait pas où elle va. Elle a commencé par le plan de Lagos, un des meilleurs plans rédigés en matière de développement dans le monde, pour le mettre de côté immédiatement et adopter le traité d'Abuja, le pratiquer quelques années et le mettre de côté et prendre la vision et les missions de l'Union africaine, mettre de côté, prendre le NEPAD. Après le NEPAD, maintenant on est à un agenda sans précédent quasiment dans l'histoire de l'humanité, c'est l'agenda 2063, c'est-à-dire que l'Afrique donne rendez-vous au monde en 2063 et nous faisions la plaisanterie que ceux qui signent des plans de 50 ans doivent signer en bas qu'ils prennent l'engagement d'être là au bout de 50 ans pour participer au bilan de leur plan. Ce plan nous pose fondamentalement des problèmes parce que de 1963 à 2063, l'Afrique se donne 100 ans pour régler ce que la Corée du Sud, qui avait le même PIB que le Sénégal et le Ghana en 1960, a réglé peut-être en deux décennies. C'est inacceptable. La Corée du Sud aujourd'hui a un PIB équivalent à celui des 25 pays d'Afrique qui se sont retrouvés dans le marché commun de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de l'Est. C'est tout à fait inacceptable. Donc c'est pour cela que je termine sur ce point. Nous préconisons que les Africains acceptent qu'aucun d'entre eux pris individuellement n'a réglé les fondamentaux du développement. L'agriculture, la première souveraineté commence par la souveraineté alimentaire. Aucun pays d'Afrique ne l'a réglé. L'éducation, la santé, les infrastructures, un embryon d'industrialisation. Rien fondamentalement n'a été réglé dans aucun pays d'Afrique pris individuellement. Le Nigeria, qui était le géant de l'Afrique, qui à un moment était passé premier du point de vue de l'économie du continent, le Nigeria s'est retrouvé avec la crise que l'on sait et les problèmes de Boko Haram. Il a fallu qu'un pays africain que je salue et que je salue dans toutes les rencontres internationales, qui s'appelle le Tchad, se sacrifie en allant au Mali, apporter sa contribution, en allant au Nigeria, en allant au Niger, en allant au Cameroun. Ce pays a énormément fait pour l'Afrique et se retrouve aujourd'hui quasiment les deux genoux par terre, du point de vue de son économie et de l'autofinancement de ses opérations.
Et je lance un appel à la communauté internationale. Il est incompréhensible que le seul pays d'Afrique quasiment qui a pris en charge les questions de sécurité, comme le Tchad, s'engage pour tout le continent et que le Tchad soit puni en retour par l'absence d'assistance, d'appui, d'aide, et que ce pays aujourd'hui traverse les pires difficultés économiques. Si le Tchad s'effondre, c'est la crise sécuritaire, c'est un verrou stratégique qui saute et toute l'Afrique qui sera dans des difficultés. Voilà en gros quelques points que je voulais soulever en attendant de pouvoir y revenir. Merci. Merci Tidiane. Merci infiniment. C'est exactement ce qu'on pouvait attendre de votre intervention, car il est vrai qu'il y a une sorte de mode aussi à considérer que sur le plan économique, l'ensemble de l'Afrique, c'est un peu comme le Rwanda et le Singapour de continent africain, etc. Mais en effet, il y a tous ces problèmes. Je crois qu'il faut avoir le courage de les rappeler et je vous en remercie. Alors, je crois qu'avec Nathalie, nous allons regarder aussi d'un peu plus près les questions de gouvernance, non pas au sens de la gouvernance internationale ou de la gouvernance régionale, mais au sens de la gouvernance de chaque pays africain pris un à un. Et effectivement, c'est une des tâches. Peut-être qu'il faut vous expliquer en deux ou trois mots, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, les missions que la Mo Ibrahim Foundation s'est donnée. Oui, mais merci beaucoup. Alors, parlez bien dans le micro. Ce rapport sur l'état annuel de la gouvernance qui est publié chaque année est un rapport sur l'état de la gouvernance dans chacun des 54 pays du continent africain qui repose sur une batterie de 95 indicateurs qui proviennent de 33 sources différentes. J'insiste sur ce chiffre parce que c'est bien le résultat du regard croisé de 33 institutions et pas simplement le jugement de la Fondation. Cette année, on a procédé à une analyse sur les 10 dernières années de l'évolution de la gouvernance sur le continent africain de 2006 à 2015. Ce qui nous a permis de parvenir à un certain nombre de constats qui recouvrent en grande partie ce que vient de dire Cheikh Tidiane Gadio, mais qui le complète aussi sur d'autres. Le premier constat, c'est que malgré tout, tout n'est pas si négatif et l'état global de la gouvernance sur le continent africain a continué de progresser en moyenne de 1 point sur la décennie. Et pour dire les choses plus clairement, ça signifie que 70% de la population du continent africain vit aujourd'hui dans un État dont l'état de gouvernance est meilleur qu'il y a 10 ans. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est évidemment très général et ça n'est pas suffisant. Cette moyenne recouvre en effet des divergences fortes. L'Afrique, c'est 54 pays avec 54 géographies et 54 histoires différentes et 54 trajectoires extrêmement divergentes. Entre le premier et le dernier pays du classement, Maurice et la Somalie, il y a 80 points d'écart, ce qui est assez considérable. 37 pays ont évolué dans le bon sens et effectivement 16 se sont dégradés pour certains d'entre eux de façon effectivement considérable. Parmi ceux qui ont progressé, 10 pays ont progressé de plus de 5 points, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo et le Zimbabwe. 4 se sont dégradés de plus de 5 points, en particulier la Libye et Madagascar. Le troisième constat, c'est qu'il n'y a pas de situation définitive ou acquise. Si vous prenez 2 pays qui sont encore dans les 10 premiers, dans le top 10, qui sont l'Afrique du Sud et le Ghana, respectivement à la 9e et à la 10e place, ces 2 pays sont aussi ceux qui occupent la 8e et la 9e place de la plus forte détérioration au cours des 10 dernières années. Ce qui veut dire que très vraisemblablement, l'année prochaine, ils sortiront du top 10. Et ça, c'est évidemment assez préoccupant. Un pays comme la Libye, en 10 ans, a reculé du 29e au 51e rang. En revanche, des pays comme la Côte d'Ivoire et le Zimbabwe, qui étaient en crise au début de la décennie que nous examinons, sont parmi les 3 pays qui ont le plus fortement progressé au cours de ces 10 dernières années. Si on examine maintenant les composantes de cette gouvernance, et on va retrouver l'essentiel des constatations que Tidiane vient d'exposer, on constate des évolutions assez diverses entre 3 dimensions de cet indice de gouvernance qui sont participation et droits de l'homme, développement humain et opportunités économiques durables qui ont progressé au cours de la décennie
Et effectivement, la quatrième composante, sécurité et état de droit, qui, elle, s'est fortement détériorée. Elle s'est fortement détériorée puisqu'en moyenne, ce déclin atteint un peu plus de 3 points, ce qui signifie là encore que pour pratiquement les deux tiers de la population du continent, 64%, vivent aujourd'hui dans un pays où la situation s'est dégradée depuis 10 ans. 33 pays sur les 54 ont décliné, 15 pays de plus de 5 points et 6 de plus de 10 points, à nouveau, et ça n'étonnera personne, la Libye, la Centrafrique et le Burundi. En réalité, ce qui s'est passé, c'est moins la dégradation de la composante qu'on appelle règle de droit, qui affiche un affaissement marginal d'un peu moins de 0,3 points, que la très forte détérioration de la composante sécuritaire, à la fois sécurité nationale et sécurité individuelle, avec un changement très marqué des composantes des conflits. Si effectivement on a tout de même, même si certains conflits demeurent ou même deviennent résurgents, on a tout de même un déclin des conflits interétatiques sur le continent depuis une dizaine d'années, je dirais depuis la fin du siècle dernier, qui s'est confirmé. On a en revanche un double mouvement qui est à la fois celui de la montée des menaces transversales et partagées, mon voisin les a évoquées, le terrorisme, la drogue, pas simplement les trafiquants, mais je dirais la consommation et la production, ce qui est assez nouveau sur le continent africain, et puis le terrorisme, qui touchent en particulier le flanc est du continent africain et les pays de la bande sahélienne, mais aussi de façon assez nouvelle des pays comme le Nigeria, assez nouvelle au cours des dernières années, comme le Nigeria et le Cameroun. Et vous avez parallèlement à ce développement des menaces transversales une montée des conflits domestiques, des tensions domestiques qui sont liées à un certain nombre d'éléments sur lesquels je reviendrai plus tard. Les trois autres dimensions, elles, progressent de façon assez inégale et avec des bémols qui doivent impérativement être examinés. Si on prend la dimension participation et droits de l'homme, on a une progression assez sensible, un peu plus de 2 points sur la décennie, avec près de 80% de la population du continent qui vit dans un pays où la situation s'est améliorée. Incontestablement, un certain nombre d'élections démocratiques se sont déroulées de façon libres et transparentes sur le continent africain, et c'est ce que les indicateurs prennent en compte. Maintenant, ici, il y a deux bémols. Le premier, c'est que je crois que les indicateurs dont nous disposons pour évaluer effectivement l'état de la participation démocratique sont très insuffisants. On ne peut pas résumer la démocratie à la tenue tous les 5 ans d'élections exécutives qualifiées de libres et transparentes par les observateurs internationaux. Il y a aujourd'hui, et je crois que Thierry, vous le citiez ce matin dans votre intervention, un vrai désenchantement dans le meilleur des cas, désaveu dans le pire ou refus du modèle démocratique occidental, qui est vraiment quelque chose d'important qu'il faut absolument prendre en compte sur le continent africain, où la majorité de la population a moins de 25 ans et fonctionne de façon croissante avec les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est le déclin dans cette catégorie participation et droits de l'homme de tout ce qui est lié à la place de la société civile, avec dans un certain nombre de pays, effectivement, un resserrement de l'espace de la société civile, voire une remise en cause même de leur existence qui mérite une certaine attention. Troisième catégorie, ce qu'on appelle opportunité économique durable, là aussi un progrès assez marqué, avec 38 pays qui progressent, certains de façon tout à fait remarquable. Ces 38 pays représentent quand même 70% de la population du continent et près des 3/4 du PNB, donc ça n'est pas négligeable. Je crois qu'il faut saluer ici la progression d'un certain nombre de pays, dont le Maroc, qui caracole en tête de cette progression à plus de 13 points, mais également des pays comme le Rwanda et l'Égypte. Alors, on trouve aussi le Togo et le Niger, mais qui évidemment partent de beaucoup plus bas, tandis que les pays que je viens de citer avant, comme le Maroc, l'Égypte ou le Rwanda, sont déjà relativement élevés, figure adhérent déjà relativement élevé dans le classement de l'indice Ibrahim et pourrait bien, s'ils arrivent à maintenir ce rythme, remplacer à terme les pays qui quittent justement les 10 premiers que j'ai cités en début d'intervention. L'autre élément, je crois, important, c'est quand même la progression positive des indicateurs relatifs au secteur rural et agricole
Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, dans un monde où la demande alimentaire globale augmente et où l'offre agricole globale diminue, l'Afrique est en quelque sorte entre les deux. Et il y a là certainement un potentiel tout à fait important pour le continent africain. Alors là aussi, il y a des bémols. Le premier d'entre eux, c'est la distribution énergétique, la distribution électrique. Incontestablement, les infrastructures sur le continent ont progressé grâce à l'engagement tout à fait conséquent de la communauté internationale, des partenaires du continent, des grandes institutions financières internationales, des gouvernements eux-mêmes, du secteur privé africain. Mais il y a un point noir aujourd'hui, si je puis dire, qui est la distribution électrique. 40% de la population du continent a vu cet indicateur-là se dégrader au cours des dernières années. C'est un des freins majeurs à la poursuite du progrès économique qu'on a évoqué. Le deuxième, c'est la situation des pays producteurs de pétrole. Les 14 pays producteurs de pétrole qui ont bénéficié d'une bulle, quand même, du prix du baril au cours des 10 années examinées, quand on regarde ces 14 pays, on a trois indicateurs qui sont la diversification économique, les ressources budgétaires autonomes, si je peux dire, et l'accès énergétique de leur propre population qui affiche un encéphalogramme plat en moyenne. Donc vraiment à la fois des occasions perdues et surtout une incapacité sans doute à aborder la baisse du prix du baril de façon efficace. La dernière dimension, c'est le développement humain, qui est celle qui a le plus progressé, pratiquement 3 points sur la décennie. Ce qui là encore traduit certainement l'engagement de la communauté internationale, mais là aussi des bémols. Si on prend la santé, on a un vrai point noir en matière de structure rurale de santé, et c'est ce qu'on a vu au moment de l'épidémie Ebola. Et celui qui pour moi est le plus préoccupant, c'est l'éducation. Incontestablement, le niveau d'éducation sur le continent africain a progressé, mais pas les perspectives d'emploi. La fracture qui existe aujourd'hui, qui s'agrandit entre le niveau d'éducation et les perspectives d'emploi, là encore pour une majorité jeune, est vraiment quelque chose de préoccupant. Si vous y ajoutez ce déjantement démocratique, enfin vis-à-vis de la démocratie qu'on évoquait tout à l'heure, on va vers de vraies difficultés, je crois. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que je crois qu'on assiste aujourd'hui à un retour de balancier. Il y a plus de 10 ans, je pense qu'on était un peu trop soumis à un afro-pessimisme excessif. On a ensuite basculé vers un afro-optimiste qui l'est sans doute tout autant. Et que la vérité est entre les deux et qu'il faut vraiment faire preuve d'afro-réalisme. Le deuxième point, c'est que je crois que c'est vraiment de plus en plus difficile de parler de l'Afrique en tant que telle, comme autrefois on parlait de l'Extrême-Orient, ou de l'Indochine ou de l'Asie. Encore une fois, c'est 54 pays avec des trajectoires différentes. Le troisième point, c'est que je crois qu'on ne peut plus considérer non plus que les crises africaines sont des crises africaines et que c'est un continent qui est voué à des conflits ou des crises très particulières, circonscrites, des épidémies, des famines, des conflits postcoloniaux. Ce sont vraiment exactement les mêmes crises et les mêmes défis que ceux du monde entier, que ce soit le chômage des jeunes, la remise en cause de la démocratie, le changement climatique, le terrorisme, j'en passe, mais tous ces sujets qui ont été évoqués sur d'autres continents sont des sujets partagés et je dirais concentrés sur le continent africain, qui les affronte tous à la fois, encore une fois, avec une majorité très jeune. Donc, en conclusion, ce que je dirais, c'est qu'il y a en quelque sorte une double triangulation entre sécurité et développement. Incontestablement, pas de sécurité sur le continent africain sans développement économique, ni l'inverse. Mais je dirais, pas de sécurité pour les voisins immédiats du continent africain. Et là, je parle du Nord et de l'Est. Sans stabilité ou pas de stabilité pour les voisins du Nord et de l'Est, sans sécurité sur le continent africain, pas de poursuite de la croissance non plus pour les voisins du Nord et de l'Est, sans développement à la fois soutenable, équitable et partagé sur le continent africain. Merci beaucoup, Nathalie. Je crois que nous avons entendu deux interventions d'une très grande richesse, très précise là aussi.
est assez complémentaire en ce sens que c'est en effet réaliste, c'est-à-dire ces mouvements de balancier que Nathalie a évoqué, et je crois qu'il y a une grande cohérence aussi entre les deux interventions. Alors, en même temps, il y a quelque chose qui moi m'a toujours frappé, c'est qu'il y a beaucoup de personnes non africaines dont fait partie Nathalie de la Palme ou Christine de Souche au premier rang, qui ont une sorte d'amour pour l'Afrique, et un amour justement qui va jusqu'à d'abord une compréhension fine et une certaine compréhension, mais aussi pas forcément toujours trop d'indulgence, une certaine sévérité aussi, une certaine conscience. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que dans les quelques minutes, la petite vingtaine de minutes, qu'il faudra vraiment qu'on arrête à l'heure, là, qui nous reste, je voudrais qu'on parle un petit peu de l'avenir. Alors là, au fond, on a un constat. Hein. Je crois que aussi bien Tidiane que Nathalie ont fait un constat. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut espérer dans les cinq prochaines années, de bon ou de mauvais, hein, compte tenu de ce qu'en effet, les influences extérieures sont très grandes. Et plus précisément, moi, j'aimerais vous interroger l'un et l'autre sur le rôle des puissances extérieures. Alors, certains parlent même de nouvelles formes de colonisation, par exemple, en matière d'achat de terres agricoles ou sous d'autres formes, des formes évidemment très différentes de celles du 19e siècle. Moi, j'aimerais bien vous entendre un peu sur ce sujet. Donc, quelle perspective, au fond, pour les 5 ou 10 prochaines années, en positif ou en négatif, et le rôle des puissances étrangères, je pense notamment à la Chine, parce qu'on parle énormément, évidemment, non sans raison, de l'intérêt de la Chine. Il faut quand même dire pour l'Afrique, hein, parce que ça simplifie, même s'il n'y a pas qu'une Afrique. Bon. Mais je pense même à l'Inde, hein, qui, je crois aussi, marque aussi beaucoup son intérêt pour l'Afrique, et puis naturellement les puissances occidentales. Alors on va peut-être commencer par Tidiane à nouveau. Merci. Je pense que l'Afrique, malheureusement, est en train aussi de se transformer en terrain d'affrontement privilégié des grandes puissances de ce monde. Et le drame, c'est que les Africains sont souvent absents du jeu eux-mêmes. Il est difficile de comprendre, et quelqu'un l'a dit, il dit l'Afrique est potentiellement le continent le plus riche du monde, mais c'est un continent riche habité par des pauvres. Comment faire pour changer cette dynamique? Comment faire pour que les Africains comprennent qu'ils ont un tiers des ressources naturelles du monde, ressources prouvées? Peut-être que quand on va tout découvrir, on se rendra compte que l'Afrique a un potentiel beaucoup plus important que cela. Chaque jour que je fais, on découvre qu'un pays africain est un pays pétrolier ou une puissance gazière potentielle, comme c'est aujourd'hui le cas du Sénégal. Senghor a toujours dit qu'on n'avait pas de pétrole, mais on a des idées. Et j'ai un ami philosophe qui a dit que depuis qu'on a d'ailleurs découvert du pétrole, c'est comme si on n'avait plus d'idées. Donc, le Sénégal se découvre pays pétrolier. D'autres pays, le Golfe de Guinée, comme disait quelqu'un, du Golfe Persique, on risque de déménager le centre de l'énergie mondiale vers le Golfe de Guinée. L'Afrique a un immense potentiel, mais le potentiel le plus important, c'est le potentiel humain. Quand l'Europe vieillit, l'Asie vieillit, l'Amérique vieillit, c'est pas méchant d'ailleurs, c'est très bon de vieillir parce qu'avec l'expérience, on peut faire beaucoup de choses. Mais quand tous ces continents se plaignent du renouvellement de leur population, il n'y a que l'Afrique, par la grâce de Dieu, qui rajeunit. Plus de 60% de jeunes, voire 70% de jeunes dans ce continent. Et qu'est-ce que nous faisons de cet atout? Au lieu d'en faire un atout, ça commence à devenir un inconvénient, un problème, c'est-à-dire un fardeau, alors que, avec toutes les richesses du continent, toutes les immenses ressources hydriques, comme l'a dit Thierry tout de suite, malheureusement, l'Afrique a l'eau qu'il faut, les terres qu'il faut, les bras qu'il faut. Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Je le dis souvent dans les conférences avec les étudiants africains. Je dis l'Afrique a 3 problèmes et ils prennent tous leur stylo. J'ai dit 1, leadership, 2, leadership et 3, leadership. Fondamentalement, le problème que l'Afrique n'a pas réglé, c'est la question du leadership. Leadership, ça veut dire
des dirigeants africains capables de mobiliser leur société, d'utiliser toutes les ressources, y compris la société civile, et d'imprimer une vision et de prouver qu'ils ont une stratégie pour le développement de leur pays. Un pays que j'aime beaucoup et que je cite souvent en exemple, c'est le Maroc. Je suis convaincu personnellement que le Maroc a une vision, le Maroc a une stratégie. Et chaque fois qu'on va au Maroc, comme je dis, on ne visite jamais le même Maroc deux fois. On arrive, chaque fois au Maroc, on trouve que le pays a encore fait quelques pas en avant. Et c'est ce modèle peut-être qui devrait se répandre dans tout le continent africain. Maintenant, la petite différence que j'ai avec mon amie Nathalie, on est de vieux amis, et je crois qu'on ne réglera pas ça à Doha, on prendra le temps de le faire, c'est qu'elle est convaincue que l'Afrique, c'est 54 pays, 54 réalités différentes. Moi, je suis convaincu du contraire. Je pense que c'est à vouloir bâtir 54 États indépendants, différents, souverains, que l'Afrique s'est piégée et s'est retrouvée dans la situation actuelle. Quelle est la réalité différente entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, qui étaient pour l'essentiel des pays de ce qu'on appelle chez nous l'Empire du Gabou, des réalités identiques, des pays qui auraient dû se donner la main et travailler ensemble. Le Sénégal et le Mali, dans une fédération, seraient une puissance sous-régionale pratiquement. L'Afrique de l'Ouest, nous avons besoin aujourd'hui des grands ensembles. Il ne faut pas encourager les différences factices, artificielles qui ont été fabriquées entre les pays d'Afrique. Si on ne peut pas unir le continent africain, il faut au moins les unir des regroupements régionaux forts. Imaginez l'Afrique de l'Ouest unie autour du leadership du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, etc., qui tire l'Afrique de l'Ouest. On aura bientôt un demi-milliard d'habitants, énormément de ressources. En ce moment, on pourra parler aux États-Unis, on pourra parler à l'Europe, on pourra parler à l'Amérique. Mais que fait le Sénégal seul devant la Chine dans une réunion? Que fait la Gambie seul devant la Chine? Ça n'a aucun sens et c'est cette réalité qu'on essaye de renforcer coûte que coûte. Elle n'est pas viable. Je disais que quand on rencontre les rencontres Chine-Afrique, il y a le ministre chinois des Affaires étrangères qui est assis, entouré de 54 ministres africains des Affaires étrangères, qui lui disent tous exactement la même chose. Donc, au total, je disais que le ministre chinois est majoritaire, il est nombreux, il est tout seul, mais c'est lui qui dirige, c'est lui le patron, c'est lui l'attraction principale. Or, si les Africains avaient délégué deux ministres par région, ça fait 10 ministres africains porteurs d'une dynamique régionale pour venir parler avec une puissance mondiale comme la Chine ou les États-Unis ou l'Union européenne, etc. Donc, honnêtement, je pense qu'il faut changer le paradigme du développement de l'Afrique. Le paradigme a été mal posé. De grands dirigeants africains nous avaient montré la voie, comme Nkrumah et les autres. On les a superbement ignorés. Cheikh Anta Diop, dans les années 70, avait prédit que dans 40 ans, l'Afrique sera le théâtre de toutes les rivalités et de tous les défis sécuritaires. C'est en ce moment qu'il avait lâché sa fameuse phrase « Le développement précède, la sécurité précède le développement et à son tour sert le développement ». Et il voulait que l'Afrique règle ses problèmes de sécurité parce que nous avons tellement de ressources que nous allions être effectivement un terrain d'affrontement mondial. Et ce qui est dommage, c'est que l'Afrique n'est pas encore prête à apporter les réponses qu'il faut à ce défi. Merci. Merci beaucoup. Je me souviens, une de vos qualités, chère Tidiane, c'est la cohérence de vos idées. Je me souviens d'une longue discussion il y a quelques années à Dakar, d'ailleurs peu... exactement sur ce sujet. Au fond, le mauvais tournant qui, est, selon vous, a été pris après la décolonisation. Nathalie ? Non, mais Tidiane, alors, on est vraiment tout à fait d'accord. C'est précisément ces 54 pays dont certains d'entre eux ne sont pas tout à fait viables. Et si la Chine était 54 pays, elle ne serait pas la Chine. Donc, c'est évident que pour moi, la réponse numéro un, c'est l'intégration régionale. Alors, sur quelle base ? Est-ce que c'est d'abord l'économie et ou est-ce que c'est la défense ou est-ce que c'est les deux? Dans quelle mesure l'Afrique peut aujourd'hui s'inspirer du modèle européen? C'est évidemment une réponse un peu difficile, mais enfin, il y aura certainement des bonnes pratiques à adopter. Moi, je dirais que cette multiplication des partenaires, elle montre manifestement le potentiel du continent africain, parce que les partenaires ne sont pas là sinon par intérêt. Donc ça prouve bien qu'il y a un intérêt absolument considérable du continent africain sur des ressources qui ne sont pas uniquement des ressources naturelles ou des ressources démographiques, mais qui vont même au-delà. Moi, je suis très frappée par la capacité du continent africain, en partie en raison de sa structure démographique, mais je ne connais pas le terme, à leapfrog. Si Mo Ibrahim a fait fortune, c'est parce que, comme il le dit souvent, il est passé directement du tambour de brousse
au téléphone mobile. Il a été un des premiers à y croire sur le continent africain. Quand il travaillait chez British Telecom, il a proposé à British Telecom de développer le mobile sur le continent africain. British Telecom a dit, écoutez, ils en sont encore au tambour de brousse. Passons d'abord au fixe avant d'aller sur le mobile. Donc il l'a fait lui-même et c'est comme ça qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Et je crois que c'est vraiment quelque chose de très important. Aujourd'hui, le continent africain a été le premier à développer le mobile banking. Et c'est pas simplement le mobile banking, mais utilise aujourd'hui les nouvelles technologies en matière de santé, d'agriculture, de démocratie. Donc il y a véritablement un potentiel qui mérite d'être développé. Alors, intégration régionale et puis je dirais ownership. En particulier, par exemple, en matière de recettes fiscales. Il faut que les pays africains retrouvent la maîtrise de leurs propres ressources et retrouvent, je dirais, leur autonomie. Sur l'intégration régionale, il y a un point qui me paraît important, c'est la solidarité. Parce que quand même, la construction européenne, elle s'est bâtie sur la solidarité, mais ça veut dire qu'il faut que les pays africains, entre eux, qui ont des revenus inégaux et des situations inégales, trouvent un mécanisme de solidarité qui marche et pas uniquement en termes de crise. Merci Nathalie. Il faut qu'on arrête exactement dans 9 minutes maximum. Et là, vraiment, il faut s'arrêter à l'heure précise pour des raisons qui sont liées au déroulement de la soirée. Mais vous me permettrez quand même de faire une remarque, quitte à développer plus tard dans d'autres occasions, sur la question de l'intégration. Bon, si on regarde, par exemple, le continent chinois ou le continent indien, l'unification s'est faite à travers les siècles, mais à travers des empires successifs. Et des empires, si je puis dire, réussis. Les empires se sont succédés, mais le British Raj a été lui-même précédé d'un certain nombre d'autres empires, plus la géographie, évidemment, qui a facilité les choses. Bon, nous, en Europe occidentale, nous essayons de faire une intégration sur une base volontaire, et on l'a fait au début parce qu'il y a eu la pression de la guerre froide. Mais on voit bien, avec les difficultés actuelles, que quand il n'y a plus de pression extérieure forte, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Donc, il y a, je crois, une problématique de l'intégration en Afrique qui est probablement d'une grande complexité. Et je propose qu'on reprenne ce sujet-là, peut-être, comme il sera sûrement encore présent l'année prochaine. On pourrait essayer d'en faire un thème important, peut-être, de la WPC, parce que j'ai toujours le vœu, personnellement, que l'Afrique occupe une place importante dans cette World Policy Conference. Alors, je vais passer la parole. Voilà, je vois 3 mains, 4 mains. Oh ben oui, mais là, il y a beaucoup trop de mains. Hein. Beaucoup trop de mains. Je peux pas. Là, on va pas. Je suis obligé de faire un minimum de choix. Hein. Alors, je vais passer la parole à Christine Dessouches, dont j'ai mentionné le nom. Alors, je vois pas très bien. Je vois les deux mains dans mon axe, mais je vous identifie pas parce que j'ai pas de la bonne éclairage. Mais enfin, je vois votre doigt et un autre doigt dans la même lignée. Alors, on va commencer. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'être très synthétique, même Christine. Hein, malgré votre science, et puis ensuite on fera une deuxième et dernière salve après des réponses que je demanderai également concises. Merci beaucoup, je me félicite que grâce à l'IFRI, il y a des représentants, présidents et représentants de deux instituts de réflexion, on dit think tank, en tous les cas de groupes de réflexion et d'études, africains, et notamment qui révèlent et qui traduisent ce phénomène extrêmement intéressant depuis, j'allais dire, une dizaine d'années, voire 5 années, de création de ces structures qui veulent justement s'approprier la réflexion stratégique et formuler des propositions avec justement des éléments, des critères qui soient proprement et spécifiquement adaptés aux situations. Et à ce niveau-là, donc, je m'en félicite. Je pense que c'est une grande première qu'il faudra effectivement sans doute poursuivre. Alors, deux questions. Le ministre Cheikh Tidiane Gadio a organisé, avec le soutien du gouvernement du Sénégal, bien sûr très actif, et le soutien du gouvernement français pendant deux sessions d'un forum extrêmement important, le premier, je crois, de ce genre sur le continent africain, le Forum pour la paix et la sécurité, en 2015 et en 2014 et en 2015, avec énormément justement de ces acteurs avec cette problématique de la sécurité. Quelles sont les grandes
grandes idées qu'il en a tirées et surtout les propositions pour l'avenir, pour revenir à vos propositions, Monsieur le Président. Deuxièmement, en ce qui concerne la Fondation Mo Ibrahim, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, effectivement, de voir de quelle manière les résultats, qui sont déjà extrêmement importants de sensibilisation des enquêtes de la Fondation Mo Ibrahim, de l'indice, pourraient être encore mieux mis au service de toutes les obligations que les États africains ont contractées, notamment pour exécuter la bonne gouvernance, notamment à travers la charte de la démocratie des élections et de la bonne gouvernance. Merci. Bon, merci. Alors, il nous reste réellement 5 minutes. Hein. Alors, très, très vite, s'il vous plaît, parce que je suis obligé d'arrêter à l'heure, là. Alfredo Valadao de Sciences Po Paris et fellow de l'OCP Policy Center. Bonjour, Cheikh Tidiane. C'est une question pour Cheikh Tidiane très rapide. Vous avez parlé du trafic de drogue comme l'un des principaux, une des principales menaces pour l'Afrique. Or, on ne peut pas parler de trafic de drogue en Afrique sans voir l'autre côté, c'est-à-dire l'Amérique du Sud. Et ça, ça pose la question de comment monitorer, contrôler, intervenir dans l'Atlantique Sud. Alors, est-ce que ce n'est pas le cas maintenant d'une initiative africaine des États riverains de l'Atlantique Sud vis-à-vis de l'Amérique du Sud, en particulier le Brésil, parce que sans le Brésil, il n'y a pas de possibilité. Et comme les États-Unis et l'Europe n'ont ni les moyens ni la volonté de faire en permanence ce genre de travail, ne serait-il pas le temps de faire une initiative pour un vrai dialogue concret avec l'Amérique du Sud et le Brésil en particulier? Bien, et donc je vais demander également, monsieur au fond, là, avec la lumière que j'ai dans l'œil, je ne peux pas vous identifier, mais rapidement, parce qu'il reste réellement 3 minutes et 30 secondes. Ce qui fait que la merci, je voudrais faire un commentaire. Je suis africain, je regarde l'Afrique avec réalisme, mais avec un réalisme qui va vers un optimisme. Moi, je pense que l'Afrique, il y a 3 dimensions pour l'Afrique. La première, elle est pour moi la plus importante. Il faut que les Africains, chaque État africain, s'approprie lui-même son destin et s'approprie son développement économique. Le développement économique est indissociable de la démocratie et de l'approfondissement de la pratique et de la promotion des droits de l'homme. Deuxièmement, les États africains sont jaloux, de plus en plus jaloux de leur souveraineté. Donc, la coopération régionale est un passage obligé. Le renforcement de la coopération sous-régionale et régionale est d'une importance considérable. Troisièmement, la solidarité internationale. Cette solidarité internationale doit commencer par un changement de perception par le monde de l'Afrique. Il ne doit pas plus être vu comme étant une destination pour des ressources naturelles et pour des marchés. Il doit avoir le développement économique et humain au centre d'un partenariat fécond pour les deux. À la COP22, il y a eu un sommet africain que Sa Majesté a réuni. Et il y a un plan d'action qui a été lancé, une initiative pour l'Afrique, en faveur de l'Afrique. J'espère que la solidarité internationale va se concrétiser dans ce domaine si important et si décisif pour l'Afrique. Merci. Bien, je vous remercie. Alors, je vais vous faire une proposition inhabituelle. Je suis obligé de me retirer pour accueillir une très haute personnalité. Je vais donc déléguer mes pouvoirs à cher Tidiane Gadio en lui demandant de ne pas en abuser pour lui-même et de répartir le temps de parole de la réponse également entre les deux intervenants. Voilà, et donc je m'éclipse discrètement, je vous laisse conclure et j'espère que j'aurai droit à un petit compte-rendu après. Hein. Je vous laisse orphelin. On a combien de temps? On a là, Thierry, on affiche 1 minute, donc on va prendre 3 minutes, 4 minutes pour répondre. Et c'est une passation pacifique du pouvoir, ce qui n'est pas très fréquent aussi. Chez nous. Pour répondre aux questions très rapidement, sur la question du forum de Dakar, ce qu'on nous avions réussi, je crois, c'est
d'avoir ce qu'on a appelé un forum hybride, c'est-à-dire qui met les États, les chefs d'État, les ministres, les ambassadeurs, à côté de leaders de think tank, de chercheurs, de leaders de think tank, de spécialistes, d'experts, etc., dans un format hybride où on était tous dans une même salle et où on discutait librement avec le principe de libérer la parole pour que les participants puissent s'exprimer. Ça a été au total, je pense, une grande réussite. Et je retiens, moi, de cette expérience trois grandes problématiques. La première, c'est que c'est bon d'analyser globalement la situation de l'Afrique, mais c'est mieux de travailler sur les réponses africaines. Et les réponses africaines, à ce jour, comme je l'ai dit, elles ne sont pas encore formulées comme il faut, puisque l'Afrique n'a toujours pas de stratégie pour sa défense et sa sécurité. Quand les djihadistes ont décidé de traverser le centre du Mali pour aller à Bamako, si la France n'était pas intervenue, le Mali se serait totalement effondré. Certains Africains ont critiqué l'intervention française. Nous leur avons posé la question. Dites-nous exactement ce qu'on devait faire en ce moment précis, le 11 janvier, pas le lendemain ou pas le surlendemain, et ils se rendront compte que l'Afrique ne pouvait strictement rien faire. On s'est perdu dans beaucoup de réunions pour préparer la réaction, la riposte au Mali, etc. On parle même de 42 réunions préparatoires. La conséquence, c'est que le Mali allait être pris d'assaut par ces djihadistes. Il a fallu une intervention d'un pays ami, d'un pays certes étranger, mais d'un pays ami. Comment faire pour que dans l'avenir, ce genre de situation ne se reproduise pas et que les Africains puissent eux-mêmes prendre le leadership et être devant? C'est une question qui n'a pas encore de réponse. Deuxième point, tout le monde est maintenant convaincu que les pays africains pris individuellement ne peuvent pas régler le problème. Il faut une mutualisation. Mettons ensemble nos intelligences, nos compétences, nos ressources. Dans certaines armées africaines, nous avons des troupes d'élite extrêmement bien formées, compétentes, qui ont fait les meilleures écoles du monde. Si on les mettait ensemble, on peut apporter une réponse à la menace terroriste. Mais il se trouve que nos pays sont dans la situation d'attendre la prochaine attaque. On dit, après le Mali, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. On a attendu, ils sont venus, ils ont attaqué, ils sont partis. Ensuite, on dit, c'est le Burkina Faso. Ils ont attaqué, ils sont partis. Ensuite, on annonce le Sénégal. Dieu fasse que ça ne soit pas vrai, mais c'est possible et les autorités, je crois, ont pris toutes les dispositions. Donc, les attaques de ces gens-là sont sans réponse, précisément comme si on était des victimes presque consentantes, ce qui n'est pas vrai. Le seul pays africain qui a riposté immédiatement, en tout cas dans cette partie, le Sahel, ça a été le Tchad. Et leur riposte était tellement fulgurante qu'apparemment les terroristes préfèrent choisir d'autres cibles que de penser au Tchad. Donc, la question de la mutualisation. Quand nous avons proposé la création de forces spéciales africaines, regroupées dans un pays, entraînées ensemble, équipées ensemble, les gens se sont mis à sourire. Quelque temps après, ils ont trouvé que c'était effectivement peut-être la voie qu'il fallait mettre en place des forces spéciales. Pour la drogue, pour être bref, le grand problème de la drogue en Afrique, l'Amérique latine, oui, mais comme on dit chaque fois, le primat des causes internes. Comment se fait-il que ces gens soient venus, se soient incrustés dans nos sociétés? Et vous voyez tous ces immeubles qui naissent dans nos pays en moins de 6 mois. Il y a des immeubles d'un coût extraordinaire qui sont construits. Ce serait bien d'enquêter sur l'origine de toutes ces ressources et de voir comment ils ont infiltré les forces de défense, de sécurité, de douane, de gendarmerie, etc. Ces gens sont présents. Et comme j'ai dit, on a simplifié en disant, en mettant tout sous le dos d'un seul pays, la Guinée-Bissau. Ce n'est pas vrai. L'Afrique de l'Ouest tout entière doit se poser des questions et on doit travailler dur à débusquer ces gens parce qu'ils sont en train de dérailler nos économies et de changer la nature de nos systèmes politiques. Parce que ce ne serait pas étonnant qu'ils commencent à avoir des candidats aux élections politiques, présidentielles ou législatives. Ces gens sont vraiment présents chez nous. Le dernier point sur la souveraineté est un point qui me pose beaucoup de problèmes. Comment peut-on parler de souveraineté en Afrique, souveraineté de chaque État, quand on n'a pas la première des souverainetés, c'est-à-dire on n'a pas travaillé, par exemple, à la souveraineté alimentaire? Beaucoup de pays d'Afrique, pour l'essentiel, achètent toutes leurs ressources pour nourrir leur population à l'extérieur. Alors que c'est des pays qui regorgent d'eau, de ressources. Le premier pays africain dans le tableau de l'irrigation mondiale, c'est l'Égypte, en 19e position. Alors que combien de fleuves nous avons en Afrique, combien de ressources? Vous voyez des gens venir au bord d'un fleuve, comme disait un ami agronome, et dire « Dieu, nous prions pour que vous nous donniez de la pluie et de l'eau ». Ils ont de l'eau,
L'eau est disponible. On n'a pas su utiliser cela correctement. Donc, moi, la souveraineté. Si vous ne pouvez pas garantir la sécurité de votre territoire et de vos frontières, vous ne pouvez pas nourrir vos populations, vous ne pouvez pas éduquer vos populations, vous ne pouvez pas construire les infrastructures pour vos populations. Il n'y a pas un début d'industrialisation. Aux Nations Unies, on se présente avec 54 pays qui parlent avec 54 voix. On n'est pas ensemble. On n'a pas de membres permanents au Conseil de sécurité. On n'a pas réglé tous ces problèmes. Je me demande la souveraineté dont on parle. C'est l'aspect formel de la souveraineté, c'est-à-dire la reconnaissance internationale de notre existence, mais sans plus. Donc honnêtement, même là, nous avions dit, et on a fait sourire beaucoup de gens, mutualisons nos souverainetés pour les défendre ensemble. Et pour ça, il faut unir l'Afrique. Merci. Nathalie. Qu'est-ce qu'on fait pour les gouvernements? Ces données que nous publions, elles sont totalement libres d'emploi et on consacre énormément de temps à discuter en réalité avec les gouvernements des résultats, de ce qu'ils peuvent signifier, de la façon dont on peut les améliorer, soit en améliorant les données elles-mêmes, parce que c'est souvent un problème de données, soit effectivement en modifiant les politiques. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre la gouvernance d'une société, d'une entreprise et la gouvernance d'un État. On est comptable des résultats vis-à-vis des électeurs ou vis-à-vis des actionnaires, et pour être comptable des résultats, il faut les suivre. Donc c'est absolument indispensable de disposer d'un tableau de bord pour suivre ces résultats, et cet indice Ibrahim, c'est ça. C'est un tableau de bord dont tous les gouvernements peuvent disposer et sur lesquels nous discutons de manière régulière avec eux. Alors, merci. Donc, merci, chers amis. Merci de nous avoir subis pendant presque une heure et j'espère que c'était intéressant. Merci.